Coucou et bienvenue pour cette vidéo d'aujourd'hui, comme au bon vieux temps. Hihi, Wow. tournoi raid, comme au bon vieux temps, mesdames et messieurs. On va voir qu'est-ce que ces journées me réservent de beau, sachant que ma défense est nulle à vomir, apparemment. Bon, bah tant pis, ça me fait une grosse claque. Bon, ben si mes attaques ne sont pas très propices, j'aurai pas grand-chose à faire. Après, là, il y a presque que du 60. Là aussi. Là aussi. Et là. Ouais, bon, ok. Donc, en l'occurrence, c'est surtout une différence de puissance qui fait que je perds. Ce qui est. Et là, ça prévoit. Parce que c'est vrai que dans mon équipe en défense, j'en ai que deux qui ont une défense de 60. Et apparemment, ça paye cher. Mais bon. Trêve de bavardage et suce à l'ennemi, nous allons voir qu'est-ce qu'on a de beau. Alors déjà, tic-touc, tic-tic-tac, tac, 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 tac. Alors je vais mettre ceci, avec ceci, avec ceci, avec ceci. Pourquoi pas? Je vais prendre aussi ça et ça, et pour conclure un petit bleu comme ça on a des buffs. Je pense qu'on n'est pas si mal, sachant qu'en face en plus on attend qu'il y ait jaune. Donc ma foi, pourquoi pas. Et gogo. Et gogo, bah c'est parti. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors j'ai un peu de bleu, ça c'est chouette. J'aimerais bien avoir un peu plus de rouge et accessoirement du violet, ça serait chouette aussi. Mais bon, le bleu, c'est déjà cool. Allez, hop. Trois tours. Bon, le temps que Maeve soit bonne, je pense que les Phoenix ont largement le temps de finir. Donc, c'est pas très très grave en soi. Hop là. Quelques rouges par là. Est-ce que je déclenche maintenant ou pas? Non, on va attendre un petit peu. Que je relance un coup. On attend encore pour combien de temps? Un tour. On va attendre le petit tour. Voilà, et là on dégomme. On va faire déclencher ce héros-là tant que l'effet positif est bloqué, comme ça il sert strictement à rien. Voilà, ça c'est fait. Rebelote du rouge. Le rouge, j'en ai pas mal, ça tombe bien. Tac. Tac, tac. On va encore les réduire. Et c'est là que Maléfique Herbe entre en jeu. Crac badaboum. Et cache-pistache. Ça c'est fait. Une petite victoire pour Edgar. Ensuite. Prendre un autre rouge, comme ça on va bien bourriner. Et c'est parti. Alors tac, le violet tac, du jaune, dommage j'en ai pas, mais j'ai trois rouges, ça c'est cool. Encore trois rouges, je prends. Hop, hop, encore trois rouges, magnifique. Du violet qui vient tout seul, je prends. L'esquive devrait partir, je pense, là. Magnifique. Je vais essayer de dégommer cela d'abord. Tac, tac et tac. Voilà. Ma petite Maeve qui serait pas mal. Je vais l'utiliser pour essayer de dégommer le mystère de gauche. Ça, c'est fait. 4 rouges, comme ça on charge un bon coup. Bochon qui redit coucou. Et normalement, mon lutin Groschon et Monsieur Égypte qui devraient faire le taf. Ou presque. Pas demander à l'arbre maléfique de finir le taf dans ce cas. Allez hop. Crac. Badaboum. Une victoire pour Edgar. On continue.
On va rester comme ça. Et j'ai pas mal de rouge, ça tombe bien. Enfin, pas mal. J'en ai bien. Hop, le violet, ça dégage. Rouge ici, rouge par là. Violet par ici, jaune par là et rouge par là. Ben, c'est pas mal tout ça. On aurait un chouïa de rouge pour achever la mise du milieu. Ça serait magnifique. Je vous ai demandé à ce qui paraît. Hop. J'attends encore un tour et je serai bon. Et ensuite, je vais lancer mes CS. Tu envoies les bonus dissipables à l'ennemi. En l'occurrence, les bonus, j'en donne. Ah, quoique, bon, je t'en donne. Bon, c'est pas très très grave. Hop. Hop. Voilà, ça c'est bon. Bon, on va quand même réduire le mana, donc on va quand même le faire jouer. Hop là, magnifique arbre, vas-y, sois bien grognon. Un peu de rouge par là. Du violet ici. Bon, bah c'est encore une victoire pour Elgar. Ouh, réduit à 1, bien joué, tu fais durer le suspense. Peut-être que je vais perdre, hein, je sais jamais. Hein. Là, ça c'est fait. Une victoire pour Edgar. Ensuite, ah, magnifique avant-tank, il fallait bien le croiser. Pourquoi pas, Soroka, pourquoi pas. Et deux sbires. Et toi, tu augmentes l'attaque. J'ai pas d'anti-sbire en 3 étoiles, hein, je crois. Ah, si, 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 qu'est-ce que je dis? Si, si, si. Si, 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 j'en ai. J'en ai même un très très bon. Voilà. Voilà. On va passer en attaque jaune et le dernier jaune que je vais prendre. Ou un autre violet aussi peut-être. Quoique non jaune, je vais prendre Sully. Voilà, comme ça, j'aurai de quoi bloquer mes copains ici. Et nom d'un chien, j'ai pas mal de violets. Je regrette presque de ne pas avoir pris un troisième violet au final. Voilà. Tac. Ah, enfin quelques jaunes, mais c'est un peu tard. C'est même très très tard, Malefic Arbre va jouer. Et j'ai pas pris un seul cleaner, je viens de capter la grosse gourde. Et ben c'est bon, je suis un homme mort. L'erreur que je viens de faire, j'ai même pas pensé à. Bon, bison, je pouvais pas de toute façon, parce que le verre aussi interdit. Mais là, c'est mort. Est-ce que j'aurai au moins Maléfique Arbre? Oui, bon, c'est déjà ça. J'ai quand même joué mon anti-sbire, c'est déjà pas mal. Les nickel. T'as pas bloqué celui-là de dommage, c'est exactement celui-là que j'aurais voulu que tu bloques. On peut pas tout avoir. Allez hop, ça dégage. Toi, tu dégages. Voilà les bleus. Ben, c'est dommage, j'en ai pas spécialement besoin. Qui est-ce qui mord? Pas encore, mais ce serait pas tardé. Encore du jaune. C'est ça qu'on aime, tu sers à rien. Allez hop. Vite Xavier, Xavier, viens vite, mon invocateur de sbires préféré. Reviens vite. Là, là, là. Essayer de vite achever celui de droite, comme ça moi je sais que j'aurai des scores. Là j'ai un diamant violet, je tente long coup. Magnifique purée. Tout le monde est au bord du précipice. Et j'ai quand même gagné. Franchement, j'y croyais pas du tout. Après, j'ai eu un sacré bon puzzle. Ça a sauvé les games. Et pour finir, rebelote. Alors, du coup, est-ce que je prendrais pas un Tyrum costume pour me faire un petit cleaner?
Sauf que si je le fais, je dis au revoir pour le tuer avec les tuiles jaunes. Ou alors, je remplace Maeve par un Tyrum Cleaner. Voilà, comme ça, on est tous contents. Et c'est parti. J'ai beaucoup de rouge. Est-ce que ce serait un message subliminal du jeu pour me dire, t'aurais dû prendre des rouges? Oh purée, j'ai un diamant rouge, c'est n'importe quoi. Trois jaunes, ah peut-être. Oh yes, magnifique. Magnifique. Il me reste plus qu'un et je serai libre. Le puzzle qui s'enjaille, c'est pas mal. On va essayer de dégommer l'enquêteur de sbires pour pas qu'il m'empêche moi-même d'avoir des sbires. Magnifique. Magnifique. Tac-tac, toi tu te manges ça, toi tu te prends, voilà les tuiles. Eh ben écoutez, franchement, j'ai presque envie de dire, je dis bien presque, que c'est agréable. Et magnifique arbre, mange-toi ça. Un petit tuile dans ta tronche et la violet pour l'autre. Le perroquet mort avec la tuile de la saison 4. Bien joué. Bon. Sans faute en attaque et un sans faute négatif en défense, par contre. Bah, full 60, full 60, full 60, full 60. Ah, lui, je l'aime bien. T'es combien de tième? T'es cinquième? Enfin, t'es quatrième sur une longue liste. Toi, je t'aime bien. Toi, t'es le vrai premier parce que t'as que un seul qui est 60. Donc, franchement, à toi, bien joué. Toi, t'as du mérite. Ouais, 60. 60. 60. Ouais, les 12 premiers, ils ont que du 60, sauf lui. Donc, Alain Petrosian, bravo à toi. Pour moi, tu es le meilleur. En tout cas, sur ce, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et ciao ciao!